Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec le frérot. On est carrément... Ah, tu... Mec, je stresse de fou. Je te le dis. Oh là là. Gros, déjà, cette salle est incroyable. Elle est folle. Merci à mon daron. Moi, tu sais que j'ai aucun stress. Je suis en détente, t'as vu? J'ai déjà fait trop de choses dans ma vie, tu peux pas m'avoir. Ok, bon, on va voir. Bon, mec, je te rappelle les règles. Il y a deux portes, une rouge, une bleue. On va devoir choisir entre deux portes qui mènent à deux pièces complètement différentes. Une porte chance ou une porte malheur. Mec, pour cette première porte, comme d'habitude, c'est l'invité qui choisit. La rouge ou la bleue. Soit tu choisis comme ça, soit avec les petites boules. En vrai, la première, c'est du lourd. Très très beau. Si tu te plantes, t'auras le seul. Non, mais c'est un menteur. Je te jure, t'auras le seul comme jamais. Frérot, mon choix il est fait. La porte rouge, elle m'inspire pas confiance. Regarde, la tête de Rome. Derrière cette porte, ça se voit, c'est la merde. C'est la merde, t'as pas envie d'y aller. Celle-là, gros, on dirait un jeu vidéo. On dirait que tu vas rentrer dans un monde de Sims. Celle-là me donne envie. Moi, je regarde pas les cadreurs parce que eux ils sont au courant et donc je la regarde pas. Ah, vous savez, vous, la tête de Rome, c'est la bleue. Non, 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 frérot, je prends la bleue. Ok, 3, 2, 1. Attends, elle a l'air mieux ta salle. Ouais, j'étais un sapin de fou. C'est quoi ce sapin ridicule, mec? Oh, j'ai trop le seum, frère. Attends, peut-être que ça veut rien dire. Moi, je pense que ça veut rien dire. Mais hé, dans tous les cas, je suis trop content parce que on a des cadeaux, frérot. Check. On a tous les deux gagné. Les gars, le sapin est incroyable. Le Père Noël est trop mignon. Regarde, t'as un Père Noël, toi? Putain, le bâtard. Frère, il fait un feat avec le Père Noël. Moi, je fais un feat avec... Avec une table blanche. Ouvrons nos petits cadeaux. On commence par le plus petit et après on finit par le plus gros. En fait, en général à Noël, celui qui se rapproche le plus d'une taille de boîte de téléphone, je l'ouvre en dernier. Non, en vrai, du plus petit au plus gros. Vas-y, je commence par ça moi. Moi j'ai ça, ça me fait peur. Oh. Oh. Hey, on a la même chose hein. Ok, c'est parti. Hey, mais bon, c'est incroyable. Joyeux Noël les frères. Mais là je vois pas comment quelqu'un peut avoir un truc nul. Au pire, t'as un mauvais cadeau. On sait pas que j'allais avoir de cadeau moi. Oh la chance! Oh! Oh! Ça, tu vois? Ça veut dire c'est le début pour un mode, je vais avoir des dingueries. Frère, j'ai trop le seum. Elles sont même pas toutes tombées. Oh! Mes cadeaux, ils puent la merde! Ok, vas-y, je prends celui-là, moi. Arrête. C'est un truc de fou. Oh bâtard! En plus c'est fou, hein. Je suis pas trop fan de foot en plus. Je vais avoir un maillot de l'équipe de France Wish, frérot. Oh, attends, j'ai un truc de ouf là. J'ai eu tous les pires cadeaux de Noël. Mec, Scorpion, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh, le jour où ma famille m'offre ça à Noël, je change de famille, frérot. Mec, c'est bizarre, je viens d'avoir un truc que j'aime pas, mais je crois que t'aimes bien. Oh, le bâtard! Wesh! Frère, j'ai trop la haine! Faites-moi sortir cette salle! Mais c'est là-bas que je devais être! Oh, j'ai trop le seum! Mais frère, t'aimes bien ça, toi? Bah, mec, en vrai, c'est marrant sur les doigts. Attends, c'est quoi? Eh, c'est pas de patrouille! Eh, est-ce que je peux te le récup? Bah, c'est à moi! Oh, frérot, je vais l'offrir à mon petit neveu, il va être trop content. C'est pas de patrouille, il est trop fan. Oh mec, là j'ai eu un truc pas ouf, je crois que c'est un appareil photo argentique. Je peux te dire un truc? La tête de Wham que j'en cherche un en ce moment. Pour l'instant, t'as le seum, ça te correspond bien en plus ces cadeaux. Ils sont faits pour moi frère. La tête de Wham, ils sont faits pour moi. Ok, j'en ai un dernier mec. C'est quoi ça? Attends, j'ai un autre cadeau mon ref. Ouais vas-y frère, moi j'arrête d'ouvrir. C'est trop bien! Des petites voitures. T'es pas censé être content de base. C'est des Hot Wheels Wish. C'est des Hot Wheels. Ça mec, tu penses c'est quoi? Oh, c'est une paire de chaussures bâtard. Mec, ça commence très bien. La tête de Wham, c'est une paire de chaussures. Ok. Oh, oh, la tête de Wham. Mais frère, c'est baisé comme cadeau. Oh, oh, elles sont magnifiques, frère. Elles sont magnifiques, celles-là, gros. Ah, elles sont incroyables. Attends, c'est quelle taille? Si c'est du 41. Ah oh bah c'est du 41. Toi, mec, c'est les couleurs du LOX, jaune, gris. Oh! Mais wesh, la tête de One, c'est un vrai cadeau ça! J'ai un casque Logitech. Hey, ils se sont trompés la prod, hein. Attends, il m'a l'air peut-être un peu bizarre. Il m'a l'air en très mauvais état. Bah oui, évidemment. Ça pouvait pas être un casque Logitech. Ça pouvait pas être un vrai cadeau qui me fait plaisir. J'apprends des mots. J'ai la même. Tu vas être jaloux.
Ah mais c'est des Lidl. Elles sont stylées les Lidl, non? Elles sont rares un peu. Ouais, elles sont pas mal, elles sont pas mal. Après j'ai des Jordan quoi. Tu vois frérot, c'est une leçon de vie. Dans les moments durs, il faut savoir se relever. Elles vont me porter chance. La vie me fait un cadeau, il faut l'accepter. Tu veux un pas de danse? Mec, c'est quoi ton cadeau préféré entre les Jordan et puis les chaussures Lidl quoi? Tu préfères quoi? Ah, franchement c'est compliqué à décider hein. Franchement les Lidl elles sont pas mal hein. Ouais, en même temps les Jordan. Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Frère, j'ai un dernier cadeau. C'est pas vrai. Oh! Quoi? Mais la tête d'homme, je l'ai voulu les Lidl. C'est quelle taille? Oh c'est du 43 ouais frère. C'est même pas ma taille. Rien ne va pour lui, rien ne va. D'ailleurs les refs, on est bientôt aux 100 000 abonnés. Il manque genre peut-être 30 000. Je compte sur vous, ça serait le meilleur cadeau de Noël. Avant 2023, avoir les 100 000, le petit trophée, c'est incroyable. Je compte sur vous les refs. Oh j'ai trop le seum, c'est même pas ma taille frère. Moi j'ai fini, écoute, voilà quoi. C'est tout? Comment ça c'est tout? Frère, le jour où j'ai un Noël comme ça, écoute-moi, c'est le meilleur Noël de ma vie en termes de cadeaux, d'accord? Bah, je pense qu'on peut passer à la prochaine porte. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon. La première était cool. J'ai un mauvais souvenir dans cette pièce, putain de merde. C'est que le début. Mais y'a aucun moyen de voir? Ah bah si, si, mec. Là, t'es de même qu'on voit. Bah oui. Après, là, j'ai juste vu le mur blanc d'en face. Ok, vas-y, celle-ci, c'est moi qui choisis. Je vais dans la porte. Bleu. Ah bah, on alterne, c'est cool ça. Ah, s'il te plaît! Je t'en supplie, la paire de Jordan jaune, elle est magnifique. L'appareil photo avec carte Pokémon. Frérot, j'ai eu des trucs pour les mains, pas de patrouille. Est-ce que tu rends compte du cadeau? Pas de patrouille. Pas de faire foutre. Je ferai la tienne en premier, vas-y. 1, 2, 3. Oh bah, a priori, on a la même chose. Non mais c'est sous le saut que ça se joue. On soulève à 3. 1, 2, 3. J'ai un Kinder. Bah attends, on a la même chose. En vrai, dinguerie, frérot, un Kinder surprise. Attends, attends, faut pas le croquer maintenant. On le croque ensemble. Vas-y. Le mien a l'air très suspect, mec. Ah ouais. 1, 2. Oh, frérot, ça dégoûte. Non, je ne trouve pas. Hé, hey, tu manges tout. Hé, hey, t'as mal, frérot, tu sais. Ah, ça me dégoûte encore plus. C'est bon, Anthony? Ah. Il est bon le chocolat. Regarde, mec. T'en veux? En vrai, j'en jouais en plus. Mais dis pas que c'est un truc pas de patrouille. La tête de One, c'est un truc pas de patrouille. Ça va me suivre partout. Mais mec, c'est Corda avec tes petits gants là. Mais nique ta race. Oh. Oh. Bah, juste, ça m'a coupé la circulation du sang, mais bon. Mais là, il a pas de goût. T'as fait un test Covid? Ouais. Et il est positif. Tu peux rester dans cette salle? Eh bah mec, on peut passer à la prochaine porte? Allez. C'est parti. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon. Mec, pour cette troisième porte. On fait comment pour choisir cette putain de porte? Moi je te l'ai dit, à partir de maintenant, claquette Lidl. Ça veut dire, j'ai que les bonnes portes. Oh, regarde, je concentre mon chakra. Je rentre en connexion avec les claquettes. Aouh, ça tire les jambes. Tu vas avoir la mauvaise, tu vas avoir la mauvaise, tu vas avoir la mauvaise. Ouais, je prends la bleue. Bah, je suis devant. Ouais, mais c'est trop tard, okay, c'est la ok, bleue. C'est bon, vas-y. Ok, là maintenant, à votre avis, c'est laquelle la bonne? La bleue ou la rouge? C'est la bleue, frérot, c'est la bleue. Vous avez pensé à la rouge aussi? Voilà, vous êtes team bleu ou rouge? Bah, vous allez voir. Ok, vas-y. 1, 2, 3. Oh, c'est quoi? Ton chauffeur t'attend. Ton chauffeur t'attend? T'as quoi, toi? J'ai la même. Ouais, mais moi, j'ai ton chauffeur t'attend en bleu. Bon, moi j'ai ton chauffeur t'attend en rouge. Du coup les gars, maintenant de maintenant on va en bas. Vos chauffeurs vous attendent, donc c'est parti. Allez. Mec, si on va en bas, une voiture bleue, une voiture rouge, je te... Voilà. Oh, la tête de ta mère. Non, pourquoi y'a un camion de merde là? Non, non, pourquoi le camion il a un nœud bleu? Mec, ça veut tout dire, mec. Non, non. Non, ça veut rien dire du tout. Oh là là. Ah, mon chauffeur, bah, mec. Putain, mon gars. Oh là. Comment ça va? C'est bleu ici, hein, bleu. C'est bleu. Non, mec, là, non, c'est rouge, pardon. Non, c'est du bleu, mec. Je sais là-bas. Mec, ah oui, attends, mais attends, c'est quoi, tu montes où? C'est qui lui? Ah, tu montes à l'arrière. Quoi? Bon, mec, à toutes. Oh, je monte là. Mich, viens voir deux secondes, viens voir deux secondes. Oh, le bâtard. Mec, il y a du champagne et tout, mec. Non, mais regarde pas trop, regarde pas trop, regarde pas trop, regarde pas trop. Va là-bas. Voilà. Bon mec, à tout. Seiya, conduis bien. Hein. Allez, go. Ça va aller pour monter? Vous voulez un peu d'aide peut-être? Non, ça va aller. Bah, allez. Oh la taille de fou. Mec. Tiens, mec, un petit bonbon, mec. Merci. Oh, mec, ça fait flipper. Ça fait flipper, sa mère. Mais attends, mais là, s'il y a la police qui nous contrôle, j'ai pas le droit d'être là. Permis, là. Tu vas? Oh,
Tu vois au bas? Il y a de la fumée qui sort de ma bouche. Oh, oh, sa mère. Mec, je suis bien. Comme toi, t'as choisi la bonne porte en fait. Mais c'est la première fois. Mais moi aussi, mec, c'est une première fois pour moi. Et moi. Oh, frère, non, mais attends, c'est baisé. Champagne? Tu veux une petite coupe, mec? Ah, bah, volontiers. Hein. Ouais, non mais c'est n'importe où. Eh hey, les gars, je sais pas si ça se ressent la vidéo, mais c'est n'importe quoi. Mon but maintenant est de rester debout. T'as déjà travaillé pour DHL ou pour... Wow. Wow. Mec, c'est baisé, wesh. Ouais. Eh, hey, c'est une dinguerie. Eh, hey, va plus vite. Va plus vite. Wesh, ouais. Non mais il fait exprès là. Non mais... La tête, oh, il fait des zigzags là, il fait n'importe quoi. Tout de suite, Michou, comment il est? Fais-moi sortir de là. Oh. Elle va plus vite. Il est vraiment tombé. Je pense qu'on va aller où, mec? Ah mais tu crois pas qu'il va nous emmener quelque part? Ouais. Non. Non mais si en plus il nous emmène dans un endroit de merde, c'est trop. Parce que là j'ai déjà perdu, lui il est dans une limousine en tout. Oh, il est tellement bien ici. Si en plus il m'emmène dans un endroit de merde, c'est trop, frère. Gros, j'ai gagné quoi? J'ai gagné un œuf Kinder. J'en ai rien à foutre. Il a gagné une paire de Jordan et il a gagné une limousine. J'ai gagné un œuf Kinder. Ah, vous, t'as le seum de pas avoir le Jordan. Mais j'ai trop le seum des Jordan, mec. Elles sont magnifiques, les Jordan. C'est de vie d'artiste, putain. Accélère, c'était un œuf. Attention, attention. Oh, le bâtard. J'ai trouvé le hack. C'est bon, je suis trop bien. Une petite coupe, monsieur? Ah bah, volontiers. Hein. Honneur aux invités. Bon, je trouve que ça bouge un peu quand même. Tiens, mec. Oh bah merci beaucoup, mec. Franchement, ça fait très plaisir. La tête de One Shot, j'en baisais plus. On est dans un film d'action. Franchement, tourner des vidéos avec Anto, c'est un pur bonheur. Attends, tu sais qu'il avait du champagne dedans? Mais frère, il avait du champagne et des fraises Sagada. Moi, j'ai gagné un Kinder Surprise, gros. Excusez-moi, c'est possible de mettre une musique ou pas? Ouais, c'est dur, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Attends, mais tu crois qu'il nous emmène quelque part? Imagine le kidnappe. Jamais lâché. Eh, en vrai, c'est un peu un kiff. On l'amène à la bouche, mec. On peut sortir? Vous pouvez sortir. Let's go. C'est qu'on avait vraiment premier degré, on avait trop peur pour vous, genre. Mais toi, t'étais à l'avant? Oui, j'entendais tout. Enculé. Bah oui, moi, j'étais bien. Attends, mais l'autre, il est encore dans sa limousine. Ah, bah, là, ils vont. Faut rester fort. Oh, les bâtards. Le cadreur est heureux, frérot. Mais comment? Mais me check pas, toi, mais t'es un fou. Mais alors, il a kiffé. Tu veux monter pour voir? Qu'est-ce que tu penses de la musique aussi? Ah, mais je connais ce son. Oh là là, non, c'est trop. Mais pourquoi ça m'a explosé dessus? Déjà, pourquoi la bouche avec la bouteille? Mais je voulais boire en scred à la base. Regarde le cadreur. Viens, on différencie les cadreurs maintenant. Cadreur limousine, cadreur camion. Mais gros, tu cadres même plus bien, t'es bourré. On est bien là. Il est bourré, il est bourré. Il y avait des prestagada et tout dedans, frérot. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait des prestagada. Mec, quand j'ai ouvert la porte du camion, mec, il avait une position, frère. Comme ça. Alors que lui, il était comme ça. Jamais. En plus, t'avais un son de fou, donc. En plus. Ouais, pas ouf, mais ouais, c'est bien. Hein? Et on va parler de tes sons deux minutes. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui se fait kidnapper. Après, j'ai vu la limousine. Derrière. Parce que t'as entendu crier dans le camion. Oui, j'ai entendu ouvrez-moi et tout. En plus, je criais, je disais, ouh, faites-moi sortir. On passe à la prochaine porte, c'est parti. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois, j'ai fait le bon. Bon, les gars, l'avant-dernière porte. Vous voulez pas faire un petit chifoumi pour une fois? Bah, tu pioches une boule au hasard et la boule qui aura, enfin, chifoumi pour savoir qui va l'avoir. Ok. Attention, ça sera la porte bleue. Ouh, bizarrement, comme par là. On va se battre pour la porte bleue. Mec, je suis un monstre à Shifumi. Ah ouais? Est-ce que t'es prêt? Mec, je suis prêt. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Non, mais ça fonctionne trop sur moi. Shifumi. 3, 2, 1. Hein? Attends, t'as quoi, toi? Frère, il a une cloche avec un petit truc en mode emballage de papier cadeau. C'est trop stylé. Mais attends, mais c'est quoi, ça? Mais moi, j'ai quoi? Je comprends pas. Ah, c'est du criquet? Ouais. Je le sens mal. On s'est compris. J'ai compris. Il y a des putains de criquets. Oh, ça me dégoûte. Vas-y, arrête l'odeur, elle casse les couilles, frère. En vrai, fais-toi kiffer, amuse-toi bien. Ah, mais moi, t'inquiète, je vais bien m'amuser. Alors, comment on joue au criquet?
Non mais je peux pas. Mais frérot, qui mange ça? Eh viens, on fait un truc. Le premier qui touche l'autre a gagné. Les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà mangé cette merde? Non parce que j'en ai déjà mangé, hein. T'es pas au courant. Regarde, tout de suite la séquence. Prends tout. Vous voyez que je suis pas. Aïe. Frère, ça me dégoûte, putain. Non mais hey, ça va le bruit à côté là? 3, 4, 5, 6. Wesh, 8, 9. Wesh! T'es en train de pleurer, frère, viens, on arrête. Non mais gros, t'es en train de pleurer, faut pas se mettre dans des états comme ça. Je viens t'aider. Mon mec, j'y croyais premier degré, je me suis dit putain, vas-y, c'est un bon de ouf et tout. Genre. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ok, je vais le faire. Non mais je peux pas. Ok, c'est bon, je suis prêt. Je l'avais dit ou pas? Les claquettes Lidl. Ouais. Retiens bien. T'as perdu bien au début, mais depuis. Mais ouais, c'est les claquettes Lidl, frérot. Mec, j'allais faire une proposition. S'il mange tous les insectes qu'il y a, les criquets là de merde, je donne les Jordan. On va voir s'il est prêt à relever le défi. Écoute, je te propose un truc simple et rapide. Si tu manges tous les criquets, t'as les Jordan. La tête de ta mère. Jure-le-moi. La tête de ma mère, je te le jure. Mais gros, je l'ai terminé, wesh! Oh. Bon, les Jordan, mais je suis pas. C'est un malade! Alors, je suis prêt à tout pour les Jordan. C'est bon ou pas? Je veux quoi? On ouvre la bouche bien grand et c'est gagné! Ah, comment je suis heureux, frérot! La tête de ma mère, même moi je pensais pas réussir! Tu sais que je suis trop content! Je l'aurais jamais fait. Ah ouais? Même un pour essayer, je l'aurais jamais fait. Oh là là, comment elles sont belles! Bon bah, les gars. On passe à la prochaine porte avec la paire sur Michou. Je peux la mettre? Vas-y. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon. Oh, attends. Putain. Elle est un peu sale. Pas mal quand même. Tu peux les retirer s'il te plaît? Pourquoi? Bah, parce que c'est les miennes. Mais non, frérot, c'est devenu les miennes. Elles sont gang quand même, hein. Elles sont belles, hein. Elles sont belles, hein. Mec, elles sont magnifiques. En plus, c'est carrément mec, une couleur du loft, quoi. Tu veux la vérité? Non, frérot, en vrai, merci. Rien. Eh, en vrai, regardez, il m'a offert celle-ci. Ah oui, j'avoue. Et je lui ai offert celle-ci. J'avoue. Après, moi, j'ai dû bouffer des criquets. Hein. Ouais. Ouais. Mec, désolé, je te coupe, mais j'en peux plus, viens, nous, cette porte. Pourquoi? Je sais pas, ils sont bizarres, les deux, là. Je sens pas, merde. Eh, c'est pas un truc salissant, parce que... À part ton honneur, tu peux rien saler. Ouais, mais même moi, je pense que... Oh, ou peut-être ton caleçon. C'est une blague super drôle, personne n'a entendu, en plus. Ferme les yeux, on ouvre. Attends, j'ai trop le seum. Depuis le début, il n'y a que la porte rouge qui gagne. C'est sûr, là, c'est la porte bleue qui va gagner. T'es prêt? 1, 2, 3! Michou, il t'a enfermé à clé? Non, mais là? Arrête, frère! Eh, bouge les pattes, regardez, bouge les pattes! Oh, moi, j'ai un costume de Spider-Man! Attends, c'est quoi du coup le truc ici là? Bah toi tu joues à l'araignée, pendant que lui, il joue avec l'araignée. J'ai compris, je dois mettre ma main dans les trois bocaux, avoir des chiffres pour ouvrir. Probablement. Est-ce que je le fais bien ou pas? En vrai il est éclaté ton costume. Ah. Oh je le déteste, oh je le déteste. Je vais me lier d'amitié avec lui, je peux le caresser? Oh là 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 là. Mais il s'en bat les couilles. Oh ouais, pourquoi il sort la langue comme ça? Faut pas que t'hésites trop. Ouh, le petit papier. J'ai un premier chiffre. C'est quoi? J'arrivais pas à lire. Je t'explique, je le lisais LN. C'est 5. Mec, mais comme t'es habillé à Spider-Man, tu peux l'aider, mec. En vrai, t'es immunisé, non? Moyen. Oh, la tête de ma mère, le scorpion me fait trop peur. Oh, ça va, hein. Mais lui, je vais niquer. Je vais le Mais il me fait trop peur le scorpion! Trop bien là, il fait bon, bonne température. Je pense que je vais faire la migale d'abord. Pourquoi elle bouge pas? Bouge frère, bouge! En fait, c'est le fait qu'elle bouge pas qui me fait plus peur. Ouais. Allez. C'est là qu'il fait pas bien ici. Hein. Moi je pense, frérot, plus elle s'impatiente et plus. Tu vois? C'est vrai hein. Ah, c'est vrai? Je sais pas. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oh! Wesh, on voit ses deux petits yeux là. Allez, vas-y. Ah!
Gros, je vais te tuer. Frère, il s'est passé un truc dans mon corps que j'ai jamais ressenti. Dans mon corps, là, ça a fait montagne russe. Il s'est... Ah. On se connaît, toi et moi, d'accord? Elle va bouger. Oh. Ah, mais j'ai le seum, elle a pété sur toi. Elle a pas bougé d'un poil. Gros, je viens de jouer à Docteur Maboule. Numéro 9. Attends, mais je vais avoir que 3 numéros. Bah ouais, mec. Bah t'en manquais un. Hein. Quoi? Me dis pas que c'est toi qui l'as. Michou, je crois que c'est lui qui est au courant du dernier chiffre. Hein. Quoi? Il y avait un chiffre dans ta boîte? Oh, le scorpion, il me terrifie, gros. C'est une dinguerie. Oh, mais où est-ce? Là, il est en position d'attaque. Ouais. Là, il va t'attaquer, là. Il est prêt, là. Je sais ce que je peux lui demander pour lui donner le dernier chiffre. Il va être content, vous allez voir. Je vais pas y arriver, gros. Le scorpion, ça va être dur. Pourquoi toi t'arrives à le caresser, moi je pourrais pas? Je prends mon courage à deux mains. Toi, tu peux mettre ta main, y a pas de problème, il se passe rien. Donc moi aussi, tout le monde peut le faire. Putain, je l'ai. Je suis tellement content. Mec, t'as géré? Il est où le quatrième? Bah le quatrième, c'est moi qui l'ai. Pour de vrai? Non mais mec, ce que je te demande juste, tu prends la petite bigale sur toi. Ou alors le scorpion, tu choisis. S'il te plaît, sors le scorpion. Et en dos, en fait il a eu le parfum scorpion et le scorpion. Ah mais oui mec, la rêve. Un scorpion avec du scorpion. Ramène-moi le scorpion s'il te plaît. Je veux la photo Insta. Ah. Oh. Non 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 non, là, là ça me fait peur là. Ouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, ok. Mec, du coup, c'est le 4. C'est vrai? Alors attends, attends. Parce que j'ai pas l'ordre. 9, 4, 1. Attends, c'est ça? 4, 9, 4. Mais j'ai pété un plomb. C'était 5, 1, 9, 4. Mec, bien joué. Frérot Cyber, tu m'as encore fait vivre des moments de fou que je n'oublierai jamais, mais que je ne veux plus jamais revivre non plus. Oh, la délivrance! J'ai encore l'impression qu'il est sur mon bras. Il y a un truc inexplicable. Faut tester pour comprendre. Oui, bah justement, mec. Tu vas faire un petit tour dedans ou pas? Vas-y, mec, va tester. Attends. Allez, un peu. Non, vous allez pas le foutre à l'intérieur. Oh, le bâtard. Oh! C'est énorme! Oh, t'as pas peur, frère? Oh, ça picote un peu. J'avoue, c'est une dinguerie de fou en vrai. Bon, frérot, t'as kiffé? Je suis fier de moi en vrai. Moi en vrai, je suis fier de moi pour la dernière épreuve. Ouais. Mec, et même toi, tu peux être trop fier de toi. Franchement, j'avoue que je suis fier aussi. Juste, je suis pas parti avec les Jordan et ça me fout le seum. Mais voilà. Tu sais que je m'attendais pas en venant à ce que ce soit aussi dur. Ah ouais? Mec, moi je suis venu, j'étais en détente. En fait, si j'aurais su ce qui allait se passer, limite j'aurais dit non. Tu m'aurais dit, ouais, viens, on fait la vidéo. Je suis pas là, bizarrement, je suis pas là. Non, mec, c'était incroyable en vrai. Bah les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire avec qui la prochaine fois on fait ses portes.